Alors, vous avez créé le mouvement pour une économie bienveillante il y a quelques semaines ou quelques mois. Pourquoi ? Quelle était l'idée que vous poursuiviez ? Cette création du mouvement pour l'économie bienveillante, elle avait un but premier, c'est de vouloir changer le monde. Nous avons le sentiment avec Clara qu'on était arrivé au bout d'un processus, d'un capitalisme accumulateur, qui ne réussit plus comme il voudrait réussir, qui pousse un peu au populisme, qui abîme un peu les égalités, qui rend difficiles les choses. Et c'est pour ça que c'est un peu un cri du cœur. Et ce mouvement pour l'économie bienveillante, on l'a voulu pour essayer non pas de changer le monde, mais de faire évoluer le monde. Et vraiment, il y a urgence. Le mouvement pour une économie bienveillante, ça part d'une idée très simple. C'est d'abord que les entreprises doivent jouer tout leur rôle sur le bien commun et que le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de partager sa réussite. Et que quand on partage sa réussite, c'est pas simplement de faire quelque chose de bien, mais c'est un moteur de performance et c'est un moteur de la réussite. Alors, est-ce que vous vous êtes donné des objectifs et lesquels ? Le premier objectif que nous nous sommes donné, c'est d'être crédible et légitime. Et pour être crédible et légitime, nous avons créé RAISE, qui est, nous pensons, un exemple, comme d'autres, de partage de la réussite. Et dans le monde de la finance, croyez-moi, ce n'est pas courant. Et donc de démontrer qu'on pouvait donner 50% de ce qu'on gagnait dans le monde de la finance, c'est quand même... Donc le premier objectif, c'était la légitimité. Le deuxième objectif, c'est d'essayer d'avoir le plus de signataires possible pour que ce mouvement soit vraiment un grand mouvement, un mouvement populaire, citoyen, moderne, par les réseaux sociaux. Et puis on a aussi un grand objectif pour la rentrée et pour l'année prochaine. Oui, pour compléter ce que dit Gonzague, la meilleure façon de convaincre, c'est d'agir soi-même, c'est l'exemple. Et RAISE donne 50% de... L'équipe donne 50% de son bénéfice à une fondation pour l'entrepreneuriat. Et RAISE a réussi au-delà de nos espérances. On avait démarré avec l'idée qu'on aurait 300 millions sous gestion. On n'est pas loin d'un milliard, ce qui démontre bien qu'à la fois nos actionnaires, nos participations, tout l'écosystème est favorable à ce type de modèle économique. Et notre ambition, c'est de publiquement montrer qu'en réalité, beaucoup d'entreprises sont généreuses, beaucoup d'entreprises participent au bien commun, donnent une partie de leurs bénéfices ou de leur temps ou de leurs résultats pour des causes qui leur sont chères et qui sont dans leur écosystème. Et notre ambition, c'est d'avoir beaucoup de signataires pour pouvoir le proposer au président Emmanuel Macron comme nouveau modèle économique pour le G7. En août 2019. Quand la France aura la présidence du G7. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas simplement de philanthropie ? Et sinon, en quoi est-ce nouveau et innovant ? Alors, nous pensons que ce n'est absolument pas de la philanthropie. Encore une fois, il n'y a pas la philanthropie d'un côté, l'économie plus ou moins à côté, et puis la rentabilité et les profits à côté. Nous, on veut réconcilier ces mondes. Nous ne sommes pas des bénévoles. Nous sommes motivés par l'excellence, par la performance, mais au cœur de cette performance, il y a cette bienveillance, ce partage de la réussite. Encore une fois, comme on le dit souvent, vouloir partager sa réussite, ça rend encore plus fort la réussite. Vouloir la réussite tout seul, c'est un peu sec, vous voyez. Mais vouloir partager la réussite, je pense que c'est un vrai souci de la jeune génération, et puis c'est aussi un souci, à mon avis, qui doit être planétaire, parce que si on ne le fait pas, encore une fois, il y a urgence. Donc ce n'est pas de la philanthropie. C'est un nouveau système économique qui allie dons, profit, philanthropie, rentabilité, générosité et profitabilité. C'est aussi, vous m'avez demandé tout à l'heure quelle était la définition de la bienveillance et je vous ai répondu faire confiance à l'autre. Vous avez deux manières de réussir. La première, c'est de réussir par vous-même avec ce que vous avez entre les mains, avec votre idée. Et l'autre manière, c'est de donner une partie de votre réussite à quelqu'un d'autre que vous admirez, dans lequel vous avez confiance et qui va porter d'autres fruits, qui va savoir faire d'autres choses, des choses différentes que ce que vous savez faire, et qui va rendre le monde plus grand. Alors il va, lui, réussir, il va être profitable, il va créer des emplois. Cette réussite va rendre le monde plus grand, avec le plus d'opportunités, et d'une manière ou d'une autre, vous ne savez pas comment, vous en bénéficierez. Alors dans le mouvement pour une économie bienveillante, vous voulez réunir autour de trois principes. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces principes ? Les principes sont simples. La première chose, les trois principes du mouvement pour l'économie bienveillante. Le premier, c'est partager une partie de ses ressources, que ce soit votre chiffre d'affaires, votre résultat ou du temps homme. Deuxième principe, au profit d'une œuvre ou d'une
une action philanthropique qui est dans votre propre métier, dans votre écosystème. Et troisième principe, vous impliquez vos salariés, et comme c'est dans, dans votre écosystème, bien sûr, il y a plus de pertinence à impliquer ses salariés. Ces principes-là sont faits depuis tout le temps, depuis toujours, par plein de gens. Ils s'y reconnaissent ou ne s'y reconnaissent pas dans le mouvement pour l'économie bienveillante. Et on a le sentiment qu'avec ce principe-là, on peut lutter contre les excès, genre populisme, inégalité, etc. Mais aussi, on peut pas forcément être moins performant, bien au contraire, on pense être plus performant comme on l'a été, et d'autres leçons pour réaliser. Il y a d'autres exemples qui suivent ce travail. Oui, il y a plein d'exemples. Il y a Nature et Découverte qui, dès le départ de sa création, a décidé de donner 10% de son bénéfice à une fondation pour la Terre, et qui est totalement dans l'esprit de Nature et Découverte. Il y en a plein d'autres. Chaque fois qu'on en parle, toutes les entreprises nous disent « mais en réalité, je le fais ». Et le mouvement pour une économie bienveillante, ce n'est pas du tout un label ou comment dire, en disant « il faut faire comme si ». C'est simplement une manière de reconnaître déjà tout ce qui existe et donner envie à d'autres entreprises de le faire et de l'organiser à leur manière. On n'est pas en train de dire qu'il faut appliquer telle règle ou tel process, ou c'est pas un label où il y aura une sanction à la fin. C'est tout simplement qu'à leur manière, toutes les entreprises se disent « moi, je peux utiliser ce modèle économique qui va à la fois me permettre de rayonner au-delà de mes frontières et aussi de mieux réussir. » Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir des entreprises rejoindre votre mouvement, par exemple, et puis qu'elles ne se comportent pas du tout de façon bienveillante envers leurs salariés ou leurs fournisseurs, par exemple? Le risque est permanent, le monde parfait n'existe pas, mais à partir du moment où l'intention est forte, et elle vient aussi bien du bas que du haut, à mon avis, ce risque est le plus faible. Si on compare un instant par rapport à l'écologie, comme le disait tout à l'heure Clara sur Nature et Découverte, l'écologie, il y a 40 ans, ça a été considéré un petit peu comme un mouvement un peu has-been ou un peu curieux, un peu bobo, et finalement, il y a une prise de conscience naturelle qui s'est faite. Et au départ, vous avez quelques entreprises qui négligeaient l'environnement, puis vous avez quelques entreprises qui ont pris la protection de l'environnement comme du marketing, et puis après, plus personne aujourd'hui ne peut dire que l'environnement est quelque chose qui est du marketing ou qui est à négliger. C'est vraiment au cœur de la problématique de tout le monde, le particulier, l'entreprise, les États, etc. Donc, il y aura toujours des gens. Encore une fois, comme le dit Clara, on ne donne des leçons à personne. On pense que c'est mieux si on le fait comme ça, avec cette mentalité, c'est inspirationnel. Alors, quand je signe le mouvement pour l'économie bienveillante, je m'engage aux yeux du public. Donc, à l'époque où tout est transparent, il y a des réseaux sociaux, si jamais je me comporte mal, ça va vite être mis, je vais vite être en porte-à-faux. Et à la limite, peut-être que même nous, on pourra, parce que personne n'est parfait, on peut faire des erreurs, mais c'est cette intention que nous posons d'essayer de le faire. Et justement, si jamais par hasard ou par accident on ne le faisait pas, ça nous permettrait de revenir vers cet objectif. On ne se prétend pas parfait. Je pense que les entreprises qui nous rejoignent, ce qui est important, c'est que les entreprises, et d'ailleurs, je tiens à souligner, tout le monde peut signer le mouvement pour une économie bienveillante. On peut être salarié, on peut être étudiant, on peut être chômeur. L'important, c'est de démontrer cette conviction que si on met de la générosité, si on met du partage dans l'entreprise, l'entreprise elle-même réussira mieux, la société se portera mieux, les salariés sont plus heureux et tout l'écosystème autour de l'entreprise sera plus performant. En fait, l'économie de partage, quand on parle d'économie de partage, on parle souvent bénévolat, un petit côté bisounours, où on oublie le profit, etc. Nous, on veut essayer de réconcilier ces deux-là. Cet environnement où le profit est quand même un objectif en soi. Mais le profit pas uniquement de l'écosystème classique, mais aussi de l'écosystème dans lequel on intègre la philanthropie et le partage de la réussite. Alors j'ai trouvé une citation de Michel Kelly-Gagnon, là, que vous avez lu, donc, qui est le président de l'Institut économique de Montréal, et qui était l'ancien patron québécois, et qui dit qu'en fait, je la cite, hein, une compagnie de transport aérien, par exemple, ne donne pas à la société parce qu'elle construit un orphelinat dans un pays pauvre, mais parce qu'elle permet à des gens de se déplacer, de vivre des expériences humaines de qualité. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense qu'on répond qu'une entreprise, nécessairement, elle joue un rôle dans le bien commun, parce que si ce qu'elle produit ou le service qu'elle donne n'aidait pas l'humanité, que ce soit...
que ce soit parce qu'elle satisfait un besoin vital ou parce qu'elle satisfait un loisir, etc., elle ne survivrait pas. Alors, donc, bien évidemment, l'entreprise est par nature un acteur du bien commun. La vraie question, c'est est-ce qu'au-delà de son cœur d'activité, est-ce qu'elle va savoir être partie prenante de ce bien commun et comment elle peut rayonner de ce qu'elle sait faire et de comment elle le fait. Et quand une entreprise, si je reprends la citation de l'auteur canadien, une entreprise dans le secteur aérien, par exemple comme Air France, fait Aviation sans frontières et utilise son savoir-faire pour aller soigner dans des endroits où personne ne peut aller, des enfants malades et les ramener en France pour qu'ils puissent se faire soigner ou opérer. Elle utilise son savoir-faire et elle le fait mieux que personne, puisque c'est son savoir-faire qu'elle utilise pour aider l'humanité. C'est ça l'économie bienveillante. C'est pas simplement d'être généreux, mais d'utiliser ce que l'on sait faire soi-même et qui fait qu'on est irremplaçable dans ce partage de la réussite. Michel Gagnon a raison, mais il ne s'agit pas de remplacer cette économie de partage, ce mouvement pour l'économie bienveillante, au détriment de toutes les autres associations, genre creuser des puits au Sahel, etc. Bien évidemment, non. C'est dans l'économie classique, aux côtés de ce que font les entreprises qui n'ont peut-être rien à voir avec la fondation. Moi, je vois la fondation M6 qui s'occupe des prisonniers. On pourrait dire que ça n'a rien à voir. Mais en fait, si, ça a à voir, parce que la télévision, elle est dans les prisons. Et donc, il y a une mission. Bon, mais encore une fois, on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec M6. Et pourtant, M6 pourra, en plus de cette action philanthropique, faire une action économie bienveillante, qui est une action dans son propre écosystème. Donc, c'est l'un qui ne remplace pas l'autre. Les deux doivent cohabiter ensemble. Alors, vous incitez les gens, vous l'avez dit, à signer votre charte. Combien vous avez de signataires là, en juillet 2018 ? 2100, pas moins de 2200. C'est aujourd'hui plus de 2000 signataires en s'appuyant simplement sur les réseaux réseaux sociaux. Et c'est des signataires, c'est des grands patrons du CAC 40, c'est des salariés, c'est des sportifs, c'est des acteurs, c'est des patrons de start-up, c'est des jeunes, c'est encore une fois, ça se veut citoyen, populaire et moderne. Alors j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter à cette charte. Quelles autres initiatives vous allez prendre dans les mois qui viennent? Ce qui est important pour nous, c'est que sur la base de cette charte, soient publiés beaucoup d'exemples. On commence aujourd'hui sur notre site à publier des vidéos. On demande aux gens de filmer leurs initiatives parce que les gens ont envie d'être généreux, mais parfois ils manquent d'imagination. Ou plutôt, c'est plus facile d'aider l'imagination ou d'aider la créativité en montrant des exemples qui existent déjà. Et donc, la force du mouvement pour l'économie bienveillante, pour nous, ça sera les témoignages qui existent. Et puis aussi, faire se rejoindre le monde de la philanthropie qui existe et qui a besoin d'argent, et les entreprises pour que les initiatives puissent se matcher. Quand une entreprise, une PME ou même un artisan décide de se dire « je vais donner un peu de mon temps » ou « je vais donner un peu de mon argent » à une action philanthropique dans ce que je sais faire, eh bien, le MEB, à terme, nous, on espère, pourra l'aider à trouver la bonne correspondance, la bonne association, le bon acteur qui pourra l'aider pour développer cette action. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais au fond, je suis MEB ». Il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais j'aimerais être MEB ». Il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais je suis pour le MEB ». Voilà, donc qu'on soit acteur, entrepreneur, citoyen, chômeur, quoi qu'il en soit, je crois que c'est un mouvement dont on a besoin vraiment de façon urgente. Et quelle est votre ambition pour le MEB ? Notre ambition pour le MEB, c'est d'avoir peut-être 20 000, 50 000 signataires, et d'avoir un maximum de témoignages et d'avoir su aider toutes les entreprises à devenir MEB. Pour résumer notre ambition en une phrase, c'est vraiment comme Gonzague l'a dit tout à l'heure en parlant d'écologie, ça a mis 40 ans à devenir une priorité des entreprises, c'est que d'ici 4 ou 5 ans, les entreprises qui ne sont pas MEB, qui ne mettent pas la bienveillance dans l'entreprise, qui ne mettent pas une part de générosité et de partage de la réussite, soient moins performantes que les autres et que ce soit tellement évident que ça devienne le nouveau modèle économique. C'est ça notre ambition.
Et pas plus, seulement en France, mais partout dans le monde. Et c'est pas neutre, mais nous sommes les auteurs d'une charte qui n'était que la traduction, encore une fois, des signes MEB. Le MEB, c'est tout le monde. C'est vous, c'est tous, c'est vous tous. C'est un rassemblement d'énergie qui existe déjà et qui est très puissant. Très bien, merci beaucoup.